Yo. Et bienvenue pour un nouvel épisode de Darksiders Genesis. D'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on a compris la dernière fois avec les dialogues du jeu, on se rapprocherait de la fin. Arrête, arrête, arrête! Calme-toi, calme-toi. C'est tout. Ouais, toujours problème avec ma manette, hein. Il faut que je change. Je changerai après ce jeu, je pense. Normalement. Ah oui! Il faut qu'on va bu faut qu'on va faut qu'on aille buter des mecs qui les maîtres des millionnaires utilisent la magie noire pour inonder l'Éden. Voilà, on doit buter ces mecs-là pour faire du tort à comment il s'appelle, bah Lulu, pour que il se réveille et qu'on puisse le Salut. choper. L'invocateur des tempêtes de Dagon se terre derrière cette barrière. Ces chamans arpentent ces terres, utilisant leur magie fétide pour empêcher quiconque d'y entrer. Trouvez-les et brisez le sceau. La magie ne sauvera pas cet invocateur des tempêtes de son sort. D'accord, donc aïe. Apparemment. D'accord, je peux remonter là. Ça doit être la barrière dont parlait Abaddon. Allons trouver ces chamans et demandons-leur poliment. Aïe. Ah, la zone est pas bizarre, grande, ouais. Encore un coup à se perdre. Ah. Il va y avoir baston ou un truc. Thank you.
54 000, je suis pété de thunes. Enfin, de... Je sais plus comment on appelle ça, mais... Exécution. Exécution. Bon bah c'est pas là. Ah, il y a une clé. Ah merde! J'ai cru que c'était un ennemi, mais non, c'est pas un ennemi. Je crois que c'est moi qui l'invoque. Mais je suis pas sûr. C'est quoi cette... Et deux.
Alors, chasseur de l'onde sauvage. Les gars, 2% de chance de provoquer une éruption d'eau qui inflige des dégâts basés sur la puissance du courroux dans un rayon de 3 mètres. C'est basé sur l'attaque. Type courroux. Type attaque. Type courroux. Type santé. Type attaque. Ben, on va faire ça. C'est un type attaque. On va mettre un type attaque. Ouais, par contre, la clé, ils disent qu'il y a la clé ici. Non, je suis pas au bon endroit, c'est là. Oh non! Je suis bloqué. Ah, c'est bon. Non, ça marche pas. Ok, donc c'est là, mais comment faire pour monter? Bon, bah tant pis. Allez! Alors,
là, c'est toi qui envoie des éclairs depuis tout à l'heure. Hey, regarde, encore un chaman mort. Ah merde, quel con! Âme déchue. Apparemment je devais avoir des clés sur moi, je sais plus, j'ai dû les acheter. Aïe, j'ai dû les acheter. Type Kourou, c'est ça, ouais. Donc il me reste un type santé, un type Kourou, un type attaque et un type libre. Là c'est bon. Il reste quoi? Il reste un chaman à tuer et puis après on peut avancer. C'est là-bas qui a la map. D'accord, donc il doit être au sud. Ah non, je suis débile.
D'accord, ça doit être là. Ah. Ah, d'ailleurs, il y avait l'autre. Ça, c'est de la violence. C'était le dernier. La barrière est dissipée. Allez. Ouais, bon. Allez, hop, on y va. C'est par où? En haut. J'ai esquivé dans lui, non mais... Bah c'est pas une énigme trop difficile ça. On a déjà tué, super. Oh là là.
Enfin! Alors. Cette grotte est emplie de magie occulte. C'est parti. C'est juste une intuition, mais je devine que l'invocateur des tempêtes, c'est plus moche. Nous sommes la tempête. J'adore quand tu parles comme ça. Je vais mourir. Je me suis pris. Oh putain, je me suis pris une vieille. Non! Oh putain, la doublette!
Je voulais reprendre de la vie et après je voulais l'exécuter, fait chier. L'air de cette grotte est empli de magie occulte. C'est juste une intuition, mais je devine que l'invocateur des tempêtes s'est proche. Nous sommes la tempête. J'adore quand tu parles comme ça. C'est pas possible. Un truc, je comprends pas. Ton bonhomme, tu l'augmentes sa force, mais au point de vue de la défense, dès qu'il se prend un coup. Nous en avons fini ici. Alors, ça c'était quoi? Type Kourou, mais lui c'était, c'est un type attaque. Type attaque, ici. Je perds un peu en santé. Les cavaliers ont arrêté l'inondation d'Eden. Ouais, en fait, on a tué le mec qui font la corruption là. Enfin, je crois que c'est lui qui fait la corruption. Attendez, petit 30 secondes. Alors, désolé, La menace de l'invocateur des tempêtes n'est plus. As-tu refermé le portail? Comme promis, cavalier. Doutais-tu de mes talents? Parfois seulement. À peu près à chaque étape du chemin, en fait. Il reste le problème de Dagon lui-même. En anéantissant ses prêtres, vous lui avez porté un coup terrible. Frappez maintenant.
Apprenez ce qu'il sait et achevez-le. Dagon paiera pour son rôle dans cette manipulation. Quant à Lucifer... J'adore quand tu laisses tes phrases en suspens avec un air menaçant. Quand vous voulez, cavalier. Bon. Bah tout de suite on va affronter un boss. On va affronter Dagon. Enfin je suppose. Voyons ça. Dagon. Ouais, un boss. Le maître démoniaque Dagon tente toujours d'inonder l'Éden. Les cavaliers se rendent dans son sanctuaire afin de l'arrêter. Bah allons-y. Hein. Allons tuer Dagon. Bon allez. On fait le plein. Et on affronte Dagon. Il m'a bien propulsé, disons. Ça va pas, ça va pas. Ah putain, je suis débile. Putain, c'est relou ça, il met des monstres tout le temps.
C'est un type courroux. Ça c'est type santé et ça c'est type libre. Je suis perdu, hein. Excusez-moi si je parle pas, mais là... Je sais même pas sur qui il faut se concentrer. Je sais même pas si c'est sur lui, si c'est sur les boules. En fait, je génère de la santé, mais ça sert à rien parce que j'en perds plus de ce que j'en gagne. Donc. Non mais, non c'est pas possible. Je peux rien faire. Non, il me restait 2 secondes à tenir, putain. Je sais pas c'est le coup qui tape le plus fort. Je me suis pris un coup, j'ai perdu la moitié de ma vie.
Ah putain, j'ai plus de vie. Et on recommence. Putain de merde! Franchement, je sais pas. Salut, salut! Non, franchement, je vois pas laquelle arme serait le plus efficace. Celle qui génère de la santé, ben, ça sert à rien parce que. Parce que je perds plus que ce que je gagne. Enfin, je sais pas comment ça marche. Mais... Merde. Comment je fais comme ça? Non, pas lave. Faisceau, chargeur, on va prendre chargeur. C'est comme ça. Là. Je vais mourir. Oh putain, les éclairs, non mais c'est bon quoi. Et boum dans le fond. Photo. Vas-y, lâche-moi, toi. Enfin, pas toi, vous, lâche-moi. Ah,
Eh hey, mais j'ai appuyé sur B. Bah si, je peux te toucher. Non ? Ça, c'est une grosse bague. Mortel, je suis trempé. Je vais mourir. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah non, mais les mecs ils... Non, non. Va chercher de la vie, va chercher de la vie. Je vais crever. Non. Putain. Ouais, ça va, ça va. Enfin, ça va. Ouais, je me fais bolosser, quoi. Ah, je l'ai eu. J'ai eu la crevette. Moi, t'aurais besoin d'un bain. Je suppose que nous avons été purifiés. Ah là là. Alors. Ouais, c'est un truc de ce genre là, donc ouais, faudrait que j'essaye de mettre Dagon, mais c'est quoi, c'est un type Kourou?
Ouais, c'est un type Kourou. Là, j'avais mis un. On va mettre. Bon, on a vaincu Dagon. Là. C'est bon. On peut affronter Lulu quand même. J'ai pas l'impression qu'il. J'ai de moins en moins l'impression qu'on va l'affronter. Cavalier, votre odeur est encore plus abjecte que votre apparence. Ça, c'est le mélange d'eau corrompue et d'entrailles de démon dans lequel on a pataugé. De rien, en fait. Enfin, Discord. Je le fais pour vous, pas pour moi. Mais bien sûr. On sait tous les deux que c'est pas vrai. À un moment ou un autre, cet arrangement va cesser d'être mutuellement bénéfique. Et là, ça va devenir intéressant. Quel pessimisme. Pour l'instant, cependant, les bienfaits de notre entente perdurent. Alors, si on reprenait le travail, désormais c'est Moloch, le seul et l'unique, qui se dresse sur notre chemin. Ah, ça ne fait plus aucun doute. Ça t'arrange plus que nous. Tu ne nous as jamais expliqué pourquoi il s'en était pris à toi, Samael. Les seigneurs inférieurs de l'enfer se chamaillent-ils toujours ainsi? Inférieurs? Ne te moque pas de moi, marionnette. Je couperai les ficelles au bout desquelles tu danses, ne serait-ce que pour t'anéantir, lorsque tu t'écraseras sur le sol. Alors tue-le toi-même. Tu es assez puissant pour le faire, n'est-ce pas? Il est... invincible. Presque. Sinon, il n'aurait jamais pu m'éloigner de mon trône. Et son armée devient immensément puissante. Que pouvons-nous faire, alors? Nous devons les éroder de l'intérieur. Commençons par son immense opération dans le désert écarlate, où ses machines déterrent des matériaux d'une incroyable puissance, qu'il utilise ensuite pour aider Lucifer. Admets-le. Tu veux simplement voir son armée anéantie, afin qu'après sa mort, plus rien dans son royaume ne puisse menacer tes ambitions. Dans tous les cas, c'est une entente mutuellement bénéfique. Ouais. Partez maintenant. Détruisez tout ce que vous pouvez. Et pendant que vous serez là-bas, éliminez le contremaître. Le contremaître? Il y a une raison particulière? Il a été... important pour mon travail autrefois. Il semble que Moloch soit parvenu à l'influencer. Pour cela, j'aimerais qu'il meure. Ce n'est pas vraiment une demande, mais plutôt une exigence. Ouais, bon. À ce stade, je veux bien faire tout ce que tu veux si ça peut mettre fin à cette conversation. Ça fait trop longtemps, il faut que j'aille tuer des trucs. Ah non, mais c'est pas possible, bordel! À la base, on est envoyé par le conseil pour tuer Lucifer. Et on est en train de buter tous les mecs de l'enfer pour pouvoir le trouver. Alors à chaque fois c'est « Ah ouais mais il faut que tu vas buter lui. Ah mais il faudrait que tu ailles là-bas pour buter lui. Ah non mais oui on va t'aider mais il faut aller buter lui. Ah mais je voudrais que tu butes lui. » C'est bon les gars, putain, au bout d'un moment... Et allez, maintenant on va affronter l'armée de Moloch. Après, on va devoir buter Moloch. Et quand on va revenir, on va dire « Ah ouais, mais finalement, faudra aller chercher un bijou, un machin, un artefact. » Affronter la machine de guerre qui alimente toute une armée de démons. Ça va être marrant, pas vrai? Juste au moment où on commençait à s'ennuyer. Les cavaliers sont une force redoutable. Mettons-leur le feu! Casse les couilles, sérieux, les Samael et compagnie, là. Il y a même pas de carte. Tu
abîme. Les forces de Moloch approchent. Ah, et qu'est-ce qu'ils espèrent faire? Ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce que vous espérez faire? Et ouais, c'est là que tu dois mourir. Arrête, calme-toi. Le bouton exécution. Non mais... Je savais même pas qu'il fallait faire ça. Comme quoi. J'avais même pas vu que... Bref. Allez. Non, toujours pas de carte. Trop puissant. Ouais, ça sert à rien.
De la tunasse. Et je suis déjà blindé. Enfin blindé non, mais j'ai quand même pas mal. Ah, c'est vrai, j'aurais dû acheter des petits trucs. Est-ce que c'est par là que je dois aller? J'ai pas l'impression. Je vais aller voir au bout et puis on verra là. Ah là là. C'est tellement grand. Je sais même pas où je dois aller. Ok. Ok, encore un mystère. Pourquoi j'ai sauté, je ne sais pas. Ah là là. Je suis sûr qu'on est en train de se perdre ou je sais pas trop quoi. Augmente la santé, et bah voilà, il me fallait un truc de santé.
Santé, mais non. C'est un truc, c'est un type courroux. Mais il augmente la santé. Fous ma gueule. Bon, bref. Bon, on va le mettre là. Hein. Cette exploitation est immense. Moloch n'a pas perdu de temps ici. Ouais, il n'y a aucun moyen rapide d'arriver à ça. Putain, j'ai... C'est ça la map. Qu'il extrait ici, ça a l'air dangereux. Alors faisons tout ce que nous pouvons pour l'arrêter. C'est bizarre, il me donne une boule, mais je vois pas de... Je vois pas de truc à faire exploser. Et je peux pas la prendre 1000 ans dans mes mains. Alors, là il y a un truc, il y a un boss, un truc. Eh ben allons-y. C'est pas par là.
C'est quoi ce délire? Ça s'ouvre pas. Ah, c'est peut-être pour le rappeler. Aucune idée. Continuons à avancer. Entremettre les surmontants de profondeur du site. C'est vraiment pour juste pour faire plaisir à Samael. Je ne sais même pas où je vais. Aucune idée. Là, il y a un coffre, je ne sais même pas comment on l'ouvre. Comment on fait pour avoir le coffre? Non, j'ai pas fait ça. C'est pas... Ah ouais. On va retourner là-bas. Hein. Désolé, mais je la map. Allez là-bas au fond, puis après on va prendre sur la droite. Là, il y avait un truc activé, comme la dernière fois. Je sais même pas à quoi ça sert, mais... Les maps sont ouvertes, d'accord. Mais si c'est du vas-y, YOLO, hein, promène-toi. Faudrait que j'arrive à choper le... La map, en fait. La map du stage. Bah oui, bah bien sûr. Ouais. Fallait que je tombe. Tout ça parce que j'ai été voir un truc du décor et puis... Ouh, il est gros lui. Encore un stage galère.
ça, si je touche ça, je vais me faire défoncer. Et non, c'est basé sur la santé. J'attendrai pour mettre un truc de santé. Ah, c'est cool ça. C'est une sorte de téléporteur. Enfin, c'est pas une sorte, c'est un téléporteur. Combien tu paries qu'on va trouver le contre-maître de l'autre côté de ce truc? Alors détruisons-le, ils nous seront fixés. Ah bah. Ok, s'il y a ça, c'est qu'il va y avoir du méchant. Oh non, c'est le gros avec sa Gatling. Il fait mal. Voilà, j'avais dit il fait mal. J'ai pas réussi à esquiver. Oh, 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 ouais, calmez-vous les gars. Voilà. Donc, comme on peut pas passer ici, je suis sûr. Si nous espérons arrêter cette machine, nous allons devoir descendre dans les profondeurs de cet endroit. On va peut-être pouvoir passer par là. Sinon, faudra faire demi-tour. Et tenter de pénétrer dedans. Ah bah voilà un truc qui me plaît beaucoup. La carte. Voilà. Ah quand même. Ça c'est tout en bas. Bon. Allez, on va voir. Mais non, pas en arrière, Michel. Ouais, donc. Il y a le portail. Ok. Bon, on va essayer. Hein. Bon.
Apparemment, faut sûrement l'arrêter. Les ambitions de Moloch grandissent. Lucifer l'a enhardi. Et avec la destruction du donjon de Samael, son emprise en enfer s'accroît. Il sera sûrement moins hardi quand j'aurai logé quelques balles dans son crâne épais. Cela m'inquiète que Lucifer se mêle des affaires de démons inférieurs. Que peuvent lui rapporter leurs vaines querelles? Il finira bien par le savoir. Nous avons dévoilé une intrigue beaucoup plus vaste. Et je crains que nous n'en fassions partie. C'est notre boulot, j'imagine. Tu le dis tout le temps, on est des cavaliers. Ils répondront de ce qu'ils ont fait. Tu écoutais vraiment ce que je te disais? Te flatte pas trop. Je veux juste mettre un terme au dessein de Lucifer, qu'on puisse passer à autre chose. Trop tard. Je sais que tu m'as écouté. Allez! Voyons où on nous a TP. Bah juste en dessous en fait. Profiter pour prendre ça. J'ai essayé d'aller là où il y avait la grande tour. Je crois que c'est ici. Et bim! Alors... Et là, je dois sûrement balancer. Je dois sûrement. Ah bah c'est ça. Elle est là. J'adorerais voir la tête de Moloch. Les dessins de Moloch ont échoué. Voilà, donc il faut que je pète des trucs comme ça, d'accord. Je m'étais bloqué de toute façon, donc non, y a rien ici. Alors, voyons voir. Bon, on va redescendre. Hein. Merde. Allez.
Je vais essayer de me dépêcher pour pas rester 30 ans ici. C'est là. Je crois que c'est la salle au trésor. Alors, ça c'est du coup pour guerre. Allez. Faut trouver la suite. Ah oh là là. Tout ça pour ça? Ah merde, putain, je peux pas remonter.
Là, c'est de où on vient. Qu'est-ce que tu me fais? Ah non! Oh non, pas le maître chien! Il est relou! En plus, ces chiens, ils popent à l'infini. Et là, il est bloqué dans un bug. GG. Ah, j'en profite, hein, c'est pas moi. C'est pas mon problème, hein. C'est eux qui ont fait des conneries au niveau du level design. Ils se démerdent. Où je suis là, donc ici ils disent qu'il y a un coffre. Oh putain, j'étais bugué.
Ah là là, putain, je suis en train de me perdre, je sais pas, mais... Ok, donc ici, il n'y avait rien. C'est d'ici que je suis apparu. Là. Ah bah oui. Moi qui me demandais ce que je devais faire. Aïe. Et je dois en péter 3. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est pas un chemin? Non, c'est pas un chemin. Là-bas, hein. J'ai bien l'impression que ce soit là-bas. Ah, ça fait longtemps, lui. Je l'ai affronté qu'une fois, je crois. Par contre, la vie qui retient encore. Hein. Bah voilà, je suis à fond.
Super. Comment je vais faire? Comme ça, voyons. Alors. Ah. Je trouve très satisfaisant. Kaboum ! L'œuvre d'une créature telle que Moloch. Oh, qui peut rester insensible au chat ? Bon vieux chaos à l'ancienne. Ah d'accord. Je suis désolé, hein, je vais prendre un peu de temps, mais je vais aller le chercher. Il faut juste que je retourne. Bah, je ne sais plus où. Enfin, je sais où, mais je ne sais plus où exactement. Par là-bas. C'est ici normalement. Ou un truc du genre. J'ai pas le bon, c'est lui qu'il me faut. Par contre, ça va mettre du temps avant que ça arrive. Le shuriken fuma. Non, je voulais pas faire ça, putain, je voulais pas faire ça. Je me suis un peu gouré. C'est parti. En fait, j'avais pas besoin du truc. D'accord, ça m'a augmenté mon armure. Il faut en collecter 5 et je sais pas combien j'en ai. Je dois en avoir
deux, trois. Je sais même pas où on voit ça donc. Mais ouais, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Allez! Attends. Merde, c'est auxiliaire. Principal, c'est trouver un moyen d'entrer dans la forteresse où réside le contremaître. Bah ouais. Trouver le contremaître et d'accord. Apparemment, c'est là qu'il faut passer. Mais comment je fais? Ouais non, ça marche pas en fait. Ah d'accord, faut peut-être... Ouais mais j'y arriverai jamais jusque là-bas. Non, parce que il meurt tout seul au bout d'un moment. Comment je peux faire? Entrer dans le donjon. Putain, c'était ça? Ce que ça donne, mais ah si c'est bon. Ah, j'ai pas eu le...
Je comprends pas, des fois je prends des boules, ils pètent au bout de 3 secondes et puis là... Bref. Putain, encore une boule. Regarde un peu tous ces trucs compliqués. C'est plutôt marrant à regarder, faut être honnête. Il faudrait vraiment que tu améliores ta discipline et ta concentration. Excuse-moi, tu disais quoi? Bon. Non. Ah oui, non, c'est pour prendre le truc, ouais, non, j'ai pas besoin. Je veux en finir. Et avec de la chance, j'ai envie de finir aujourd'hui. Ce sont les moments de calme comme celui-ci que j'apprécie le plus. Répète ça. Je plaisante. Est-ce que je peux On va affronter. Ah oui, c'est pour avoir un raccourci en plus. D'accord. C'était pour avoir un raccourci. Bon, on va affronter le contre-maître. Ah merde. J'avais pas vu qu'il y avait des petites bêtes qui étaient venues. Alors les gars. C'est reparti! En route pour l'aventure! Bien quel prix Moloch a dû payer pour acquérir son nouveau pouvoir. Avec Vanguard! Dans tous les cas, Lucifer sort toujours vainqueur. Moloch sait forcément ce que lui réserve le destin. Que ce soit de nos mains ou de celles de Lucifer. T'inquiète pas. On aura frappé à sa porte bien avant que Lucifer ne puisse le faire. Voilà. En même temps que lui, et que je pourrais briser le cou de chacun d'eux de mes mains. J'adore la passion avec laquelle tu parles de leur tordre le cou. Dis-moi que je me suis pas trompé. Pas censé y avoir une boule. À moins que c'est là que je dois monter. Oh là là.
Et voilà, je suis tombé. Ça a l'air prometteur. Ça va, c'était pas très dur. Elle s'est arrêtée. Voyons si notre intuition était bonne. Ah, maintenant je peux passer à travers. D'accord, on peut pas couper. Super. Je suis en train de cramer.
On arrive à la fin du stage. Normalement, je tue le contre-maître. Et puis après... Après, ils vont me renvoyer faire des missions, les enfoirés, je les connais. Hein. Ils vont me refaire le coup de hey, est-ce que tu peux aller buter ça? Non, pas est-ce que tu peux. Maintenant faut buter ça, maintenant faut faire ça. J'ai l'impression qu'ils me prennent pour un coup. Remontons la surface. Les pales se sont arrêtées. Enfin, tu. Non, c'est pas une impression en fait. Je suis sûr que c'est ça. J'adore vandaliser le matériel des démons. Allons nous occuper du contre-maître. Oh, oh, je suis un débile. Je suis revenu de tout alors que c'était une sorte d'ascenseur ou je sais pas trop quoi. Et le contre-maître, il est juste derrière. Toi, tu que cherche Samael. Samael est inévitable comparé au seigneur Moloch. Hey. Ah oui, après je dois affronter Moloch, c'est ça. Ah oui, je peux pas passer. Je vais bien, mais comment je le tue? Il y a un truc que j'ai pas compris. Ah si, c'est bon. Allez, viens mon gros. Je sais pas ce qu'il fait, il bouge pas.
guerre. T'as encore le coup de main. Vite fait, j'en profite pour ramasser 2-3 babioles. Là et de l'autre côté, d'accord. Mais c'est un cadeau, un truc, non, rien. On se casse. Bon. Donc maintenant qu'on a tué le contremaître, forcément ils vont nous dire oui, c'est cool, machin et tout ça. Maintenant il faut aller tuer Moloch. Alors que là-bas je cherche Lucifer. Il était franchement pas impressionné. C'est juste histoire que tu le saches. Hein. Qu'est-ce que tu viens de dire? Désolé, j'ai promis au contremaître que je te dirais ce qu'il nous a dit. Juste avant qu'on lui arrache les entrailles, quoi. Enfin, tu disais? Fais-y bien tes plaisanteries, petit. Lorsque nous conclurons notre entente, tu peux être dans mes bonnes grâces. Ou ne pas l'être. Tâche de l'être. Vu l'état dans lequel on a laissé la précieuse entreprise minière de Moloch, surtout à ta demande, je te souhaite vraiment qu'on soit dans tes bonnes grâces. Moloch aura du mal à s'en remettre, c'est vrai. Mais il est encore en vie, après tout. Nous devons l'achever. Tu as dit qu'il était pratiquement invincible. Ça ne devrait plus être un problème désormais? Le présent offert par Lucifer à Moloch, je le sentais. Parce que je l'ai combattu. Quelque chose lui apportait une force infinie. Une régénération impossible. Ça ne peut être qu'un manteau de sang. Je croyais qu'ils avaient été égarés au fil des millénaires. Comment quelqu'un, même Lucifer, pourrait-il en créer un? Et s'il y parvenait, pourquoi le donnerait-il à Moloch? Pénétrer l'esprit de Lucifer, c'est pénétrer dans la folie. Quoi qu'il en soit, Moloch en possède un. Et le détruire est le dernier coup que nous devons lui porter avant d'attaquer. L'armurerie est le seul endroit dans lequel il pourrait sainement conserver un artefact aussi important. Maintenant que ses troupes sont en déroute... Encore une fois, de rien. Il ne pourra pas la défendre. Alors vous devez agir rapidement. D'accord. Et ensuite? Ensuite? On peut enfin tuer ce connard présomptueux? Bien entendu. Ça a l'air tellement plaisant que j'assisterai peut-être même au combat en personne. Ouh, quel honneur tu nous fais! Pourquoi seulement assister? T'as pas envie de lui coller quelques claques toi-même? J'ai des raisons bien personnelles de ne pas me mêler de ce conflit. Et il se trouve que faire face à la menace de Lucifer était votre mission, qui vous avait été donnée par le Conseil. N'est-ce pas le cas? Ça l'est. Et donc, vous n'avez guère le choix. Ce que nous le faisons pour l'équilibre, pas pour toi. Quelle que soit la manière dont tu choisis de le déformer dans ton esprit. À l'image de celui de Lucifer, mon esprit est un lieu dans lequel tu n'as aucune envie de t'introduire, cavalier. Je vous souhaite bien du plaisir pour votre dernière tâche. Et allez, maintenant il faut aller détruire le manteau de sang, je sais pas trop quoi. Franchement, j'aurais un tel truc, je le garde sur moi, je sors pas. Un manteau de sang qui te permet d'être quasi invincible. Bah garde-le tout le temps sur toi. Rôder sous terre comme des rats d'égout. J'ai toujours préféré un assaut frontal. J'en doute pas. Ne t'inquiète pas. Quelque chose me dit que nous allons avoir d'innombrables démons à éliminer. Il
Ouais, bah c'est pas aujourd'hui que je finirai le jeu. Après, je dis pas, le jeu est bien. Et le jeu est long, ça c'est ce qui est... Ah lolo ! Jean-Michel débile. Franchement, je pensais pas qu'il était aussi long, quoi, le jeu. Mais non, mais c'est quoi ce délire? Ils me disent de faire le truc. C'est naze en fait. Je sais pas, merde. Non, comme ça. Comme ça. Ah, j'ai pas compris leur délire. Mais... Ah, d'accord. J'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi ils ont mis un truc ici?
que ce serait comme ça. Ça me dit pas où je dois aller. Si, je dois aller là en fait. Là en face. Super. Ah non, d'accord. Regardez bien. Alors. D'accord, ouais. Ah oui. En deux temps. Non. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ? Pourquoi ça me fait ça? Parce que je dois peut-être aller à droite? Ah donc ça doit c'était comme ça. Fallait pas que je rajoute un coup de. C'est ça. Cela désavantagerait nos ennemis si on les désactive. On peut le demander deux fois.
bien l'impression qu'ils savent qu'on est ici. Qu'ils viennent. Que c'est joli la doublette. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois descendre? Je crois qu'après Moloch, on va enfin trouver Lucifer. Quelle que soit l'issue. Moloch doit être remis à sa place. Nul démon ne devrait disposer d'un tel pouvoir. Tu sais, on a eu des hauts et des bas, on a botté des montagnes de cul, affronté des artefacts de pouvoir, de nécromancie, des démons maléfiques. Mais ça, c'était marrant. Ouais, je suppose que ça l'était. Tu viens de sourire, là? Je t'ai vu, Guerre. Je vais le dire à tout le monde. Je m'imaginais simplement couper la tête de Moloch en deux. Ne te fais pas de fausses joies. Bien sûr. Ah d'accord, c'est pour aller chercher ça. Où ils sont partis eux, mais il est où le grand méchant? Ah c'est ça. On voudrait surtout pas interrompre ton discours d'encouragement. C'était terriblement intimidant. Ah là là. Des monstres, toujours des monstres.
C'est tendu, c'est tendu, c'est... Mais non, pas ça. La carte. Ah, c'est bon. Cool, ça m'a tué. Ah, les exécutions. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, ça devient long là.
Le spawn kill, c'est pas du tout. Bon, fallait tuer les gardes de Moloch. Ça c'est fait. Ah putain, ici j'avais pas besoin de descendre. Attends, mais c'est pas fini encore. Mais il y en a combien de ces cons là?
Je dois activer une manette, un truc. Je sais qu'ils ont baissé le pont. Ils sont sortis d'ici, donc je peux pas y aller. Ah non, faut que j'active une manivelle, un truc. Mais elle est où? Putain, il y en a encore! Ah bah si, ça y est. Il fallait que je tue. Sens-moi un peu cette poudre à canon. Ah. Non, encore des mecs. Oh putain, je croyais que j'en avais fini avec ces cons-là. D'accord, ça c'est un TP. Ah si, c'est bon. Si sonne le secret de la puissance de Moloch. Le manteau de sang. J'aurais pensé qu'il serait sous bonne garde. Tu es déçu, frère. Je m'en mettrai. Finissons de gâcher la journée de Moloch. Oh oh. On dirait que nous allons devoir recourir à la violence après tout. Ça, c'est beaucoup plus sensé. Bim!
du monster bashing. J'imagine qu'il a de nouveau été égaré au fil des millénaires. Espérons que cette fois ce sera pour de bon. Ça avance, ça avance. On va arriver dans la dernière heure du stream. J'espère que là enfin on va... Ah, au moins qu'on va tuer Moloch. Et puis sûrement qu'après ils vont me dire Moloch n'est plus protégé par le manteau de sang de Lucifer. Il est à nous. Excellent, cavalier. Maintenant que son camp de guerre est en ruine et que sa troublante magie est anéantie, vous avez de bonnes chances de le vaincre. Ce ne sera pas qu'une question de chance. Moloch est fini comme les autres. Je vous rejoindrai. Il sera lourdement protégé, et de plus, je désire voir la souffrance déformer son visage lorsqu'il rendra son dernier soupir. Depuis notre première rencontre avec Moloch, j'attends ce moment avec impatience. Alors, on est prêt ? Je vous retrouverai là-bas. Bon, apparemment on va affronter Moloch. Ouais, on affronte directement Moloch. J'espère que c'est le dernier boss. Enfin, que c'est le dernier boss. Que Moloch, ce soit le dernier avant... avant Lucifer. Jamais de massacrer des hordes et des hordes de démons. Non. Ouais, moi non plus. Merde, bordel, c'est quoi ça? On dira ce qu'on voudra de Samael, mais bon sang, il sait comment faire une entrée. Cavalier, Samael, vous m'avez évité d'avoir à vous retrouver. Si vous ne représentiez pas une telle gêne, je serais presque impressionné. Moloch, ton manteau de sang est détruit. Tu ne peux plus te cacher derrière la magie noire de Lucifer. Maintenant, tu vas tout nous dire sur son plan. Et ensuite, tu saigneras. Belle parole. J'aurai plaisir à t'étouffer avec pendant que mon armée observe. Tout le monde connaîtra enfin la supériorité de Moloch. C'est votre combat, cavalier. Je vais simplement profiter du spectacle. J'attendais ce moment. Il n'y aura pas de pitié. Venez à moi, cavalier. Je vais me délecter de votre destruction. Allez, tuons Moloch! Vous avez vaincu des démons inférieurs, mais vous allez voir que je suis d'une toute autre espèce. Fait mal. Nul ne peut me vaincre. Une
m'a défoncé. Maudite soit ces choses. Il ne prendra pas au dépourvu cette fois. C'est parti. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ennemi, donc il peut pas m- il me redonnera pas de la vie. Vous avez vaincu des démons inférieurs, mais vous allez voir que je suis d'une toute autre espèce. Votre défaite est inéluctable. Non, c'est de la merde. Sa vie elle baisse pas assez. Ne tombez pas dans ces pièges. Et il fait mal au corps à corps, donc je vais faire que du gun, tant pis. Vous avez vaincu des démons inférieurs, mais vous allez voir que je suis d'une toute autre espèce. Trop lent. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il vient de me faire là? Thank you.
je vais mettre 1000 ans à le tuer. Bon, le combat il doit pas être super passionnant pour vous, mais bon. Mon but c'est d'être efficace. Et ça c'est efficace. M'a découpé. C'est pas possible, j'avais presque, il était presque mort. Que des démons inférieurs, mais vous allez voir que je suis d'une. Est-ce que si je mets ça, votre espèce, oh non. Je sais pas, on va essayer ça. Il manque deux tirs. Hein. Non, on va mettre ça. Hein. Ouais. Non ! Pourquoi t'as sauté par là-bas ? Je t'ai dit à droite. Yeah.
Je sais pas, j'ai du mal à voir lequel est le plus fort. Ah bah tu choisis ce moment-là pour mettre des trucs à lire. Oh non, il m'a fait ce coup-là. Oh non! Putain! Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Je sais pas, j'ai pas bien vu quelle arme, quelle munition marchait le plus. Donc je vais rester sur la charge. Je vais rester sur ça, sur ces munitions là, on verra bien. Il va bientôt avoir une nouvelle phase au niveau de ses coups. Non, non, c'est pas ça. Vous avez trouvé votre maître.
Je voulais mettre ces balles là parce que je vais avoir besoin de vie en fait. Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Non, non, laissez-moi tranquille. J'ai pas envie de jouer avec vous. Oh purée, j'avais oublié. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. T'as pas le droit. Non, purée. Défaite est inévitable, c'est vrai, mais bon. Mais vous allez voir que je suis d'une toute autre espèce. Nul ne peut m'égaler. Les premières phases, ça va. Là, il vient de passer phase 2, je dirais. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, le jeu il triche. Ah vas-y, saute dessus toi. Il y a des nouvelles phases. Allez,
Mais non, esquive. Oh non. Là, ça passe près à chaque fois. Maintenant, je vais esquiver. Après son deuxième coup, parce que ouais, voilà, je sens qu'il va faire un troisième coup maintenant. Ah, il devient de plus en plus nerveux, ça va pas là. Mais non! Ah moi c'est moi qui... J'esquive trop et ça fait que... Je devrais attendre qu'il fasse ses coups pour esquiver. Bah ouais, non mais là je pouvais rien faire. Hey, du calme. Attends que mon collègue y revient. Oh non, j'ai pas vu, j'étais trop près. Et une nouvelle phase. Où il charge. Celle-là j'aime bien. C'est pas trop chiant. Oh là non, ça j'aime pas. Voulez-vous vraiment continuer? Mais non, mais... Votre défaite est inéluctable. Ah, c'est bon.
je le sens bien. Non, je veux mourir. Non, de l'autre côté. Encore casser ton épée. Adieu, Moloch. Allez-y, cavalier. Tranchez sa misérable tête. Vous l'avez laissé vous manipuler, cavalier. Commence à me lasser des démons et de leurs menaces. Ah, je ne suis plus une menace. Vous avez accompli les desseins de Lucifer. Accompli ? Comment ça ? Vous devriez vous méfier de votre entourage, n'est-ce pas, Samael? Leur as-tu parlé de la puissance? Ce démon ne savait pas tenir sa langue. Ouais, qui peut savoir ce qu'il aurait dit ensuite? Je crois que tu le sais, Samael. Qu'est-ce que cet animus? Que dissimules-tu? Je suppose que je vous dois la vérité, mais pas ici. Vite, traverse le portail. Merci. L'animus. C'est pas mal ça. Il est là. Ah, on avait un cul Moloch. Bah c'était tendu. Pendant tout ce temps. Non. J'ai simplement omis quelques vérités gênantes. Mais maintenant, je vais vous dire tout ce que je sais. Une modeste pénitence pour vous remercier pour vos services. Je te souhaite que ce soit une histoire courte. Après que les Néphilim aient été anéantis, Lilith est venue à moi. Lilith. Évidemment qu'elle a un rôle dans cette histoire. Elle était folle de chagrin, et m'a demandé mon aide pour orchestrer sa vengeance contre le Conseil. Contre vous, cavalier, pour le rôle que vous avez joué. Mais surtout contre les humains qui avaient fui l'Éden, que Lilith considérait être injustement privilégiée par rapport aux autres. Et tu as cédé? J'ai refusé de l'aider. Je respecte l'équilibre, après tout. Et puis, je préfère que le Conseil ne s'immisce pas dans mes affaires. Une leçon que, pour mon plus grand plaisir, mes rivaux ont apprise avec une finalité amusante. Tous sauf un. Lucifer. Oui. Lorsque Lilith l'a rencontré, il attendait sa venue avec impatience, avec des desseins abjects, rivalisant même avec les siens. Ensemble, ils ont alors créé l'Animus, dans le but de corrompre l'humanité. L'Animus est une influence ténébreuse, séductrice, emplie de malice et d'habileté. Pour alimenter l'Animus, Lucifer a conclu un accord avec les maîtres, conférant à chacun d'eux le pouvoir à un prix élevé. Ces imbéciles ont accepté, croyant qu'ils deviendraient invincibles,
Il m'a fait la même offre. Vous imaginez cela? Quel culot! Quel était le prix, Samael? Leur dame. Elle leur serait réclamée au moment de leur combat. Pendant tout ce temps, on a été Lucifer. Et toi, tu savais. Samael, qu'as-tu fait? Mes mains sont propres, cavalier. Vous avez suivi les ordres du conseil, pas les miens. Moi, je vous ai simplement montré la voie. Tu ne peux tout de même pas me reprocher de vouloir voir mourir mes rivaux. Tu répondras de tes actes. Une autre fois, peut-être. Je vous ai promis Lucifer et je peux vous envoyer à lui, si vous le souhaitez. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Moloch a dit la vérité. Peut-être pour la première fois de sa misérable vie. L'œuvre de Lucifer est terminée. Il a découvert le nouveau monde où vit l'humanité, la Terre. Puis il a utilisé l'Animus pour la corrompre. Vous trouverez les humains changés. Envoie-nous sur Terre. Adieu, cavalier. Ça a été un plaisir. J'hésite, il est 18h30, je sais pas combien de temps ça va durer ce truc-là. J'hésite à y aller, mais si j'y vais pas... si j'y vais plus tard, prochain live par exemple, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc bon, allez, on verra bien. Et maintenant... C'est au Conseil de décider du sort de l'humanité. Pas à nous. Nous avons aidé Lucifer à créer cela. Impressionnant, n'est-ce pas? Quand on parle du loup... La vie telle que la connaissaient ces créatures avant était... insignifiante. Elles chuchotaient des histoires autour du feu. Cherchaient parmi les étoiles des réponses à leur pathétique existence. Je suis... la réponse. Voyez comme elles s'adaptent vite. Maintenant que leurs yeux sont ouverts, elles ressentent tout ce que leur a refusé leur créateur. La peur, la haine, la luxure. Et peut-être vont-elles fonder un troisième royaume avec lequel il faudra compter. Jusqu'où est-ce que ça s'est répandu? Désormais, qui peut le dire? Tu vas tous nous tuer. Pour être sûr. Cours, gamin. Éloigne-toi du village aussi loin que tu peux. Ah bah c'était la fin. C'était la fin du jeu. Oui, effectivement, Samael, ouais, ouais, ça reste une raclure. Je pensais que j'allais l'affronter, mais en fait non. On l'affronte. Après, j'ai plus de souvenirs des boss. Peut-être qu'on l'affronte dans le 1. Je pourrais pas dire. Ouais, je sais, je voulais attendre le truc de la prochaine fois et puis finalement c'est la fin. Guerre, discorde, vous avez prouvé que vous êtes de valeureux soldats du Conseil, que votre volonté et votre service demeurent inébranlables. Pour l'éternité. Grâce à vos efforts, l'humanité perdurera, bien que changée à jamais par le complot de Lucifer. Abattre les humains agressifs que vous avez rencontrés était une tâche sans aucun doute sinistre, mais nécessaire. Une tâche qui déterminera peut-être la fondation du troisième royaume. Le temps nous l'apprendra. Ce qu'il reste des humains doit être surveillé de protégé
Écoutez, avec les sept sceaux qui ont été forgés, un grand traité sera conclu au nom de l'équilibre. Ceux qui le briseront devront affronter la fureur des cavaliers. Que notre volonté se manifeste dans les sceaux. Trois sceaux forgés par les enfants des cieux, trois sceaux par les habitants des enfers, et un dernier sceau, né de notre propre sagesse. Le conseil a parlé. Bon bah voilà. Mais oui oui effectivement j'aurais été moi-même j'aurais été dégoûté. Bah voilà. Ah. Nouvelle rubrique de. Ajouter au journal. Je sais pas c'est quoi, mais journal, tac, hop. Alors, non, en fait, la fin n'est pas vraiment. En fait, c'est juste pour essayer de recoller avec le début du 1, je pense. Vu qu'il a été fait après, forcément, quand tu fais des trucs comme le 1, il est déjà sorti, et qu'ils ont sorti celui-là carrément après, ils essayent de coller au plus près du 1, mais voilà. Bref, bah voilà, on a fini Darksiders Genesis. J'ai beaucoup aimé, je sais pas pour vous. Il était assez long, chose qui était très bien. Puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode. Je verrai bien ce qu'on va commencer. Et puis ouais, puis voilà, donc prenez soin de vous et puis à ciao les amis.